Salut à tous, c'est FoxDead, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc c'est une partie qui se passe en ligue. Donc c'est du point stratégique. Donc j'étais avec les Giants of Blade. Donc il y avait moi-même, donc le pseudo Bobby, celui d'en haut, Inrelax, iWiz et Vinix. Donc voilà, je suppose que vous l'aurez déjà entendu. J'ai la grippe, donc en fait, je suis désolé si je renifle un petit peu à des moments ou des trucs comme ça. Je suis vraiment désolé, mais j'ai la grippe, j'ai le nez qui coule à mort. Mais je vais quand même essayer de vous sortir une vidéo. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas sorti hier, parce que j'avais vraiment trop le nez qui coulait hier. Donc je suis vraiment désolé. Je vous demande juste 2 secondes. Là, j'ai un petit téléphone qui sonne. Voilà, c'est bon. Donc la partie va commencer. Donc on est tombé contre une équipe. Au début on s'est dit voilà. D'ailleurs c'est Yobis qui l'a demandé je crois. Il a dit ouais j'aimerais bien tomber contre une équipe pour la dernière partie de placement et tout. Donc voilà, moi j'ai dit ben, je vais jouer à la haine et on va essayer de bloquer. D'ailleurs moi et Yobis on a joué à la haine et on a dit on va essayer de bloquer les spawns et vous restez dans les, enfin de bloquer les entrées qui par lesquelles ils peuvent arriver et vous débrouillez un petit peu sur le point pour gérer tout ça machin et là, et vous allez voir que moi je gère pas mal mon rôle de bloquer les ennemis avant qu'ils arrivent et tout. J'essaye d'arrêter de redéplacer, sinon ça va être chiant pour vous. Donc sur cette vidéo je voulais vous parler d'un truc aussi que je peux encore parler en fait avec vous et que je pense que ce serait bien de l'aborder, le fameux pack DLC. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, au début, le premier jour, je kiffais la Peacekeeper, mais au bout de 2 jours, c'est bon, c'est mort. La Peacekeeper, je veux plus en entendre parler. Il n'y a pas plus pourri que cette arme-là. Quand on l'utilise, elle tue pas, et quand on se la prend, elle tue en 2 balles. Donc, franchement, moi, ça me saoule. Donc, voilà, moi personnellement, les maps, je suis vraiment celle dans la neige, Downhill, je crois que c'est ça. Je suis vraiment en kiff sur cette map. Après Grind aussi j'aime bien énormément. Mais après les autres je sais plus comment elles s'appellent les autres là. Mirage je crois et je sais plus l'autre. Enfin je sais plus si elle en avait 3 ou 4. Enfin je sais que Downhill et Grind je les aime bien. Après Mirage j'aime pas trop. Et là Peacekeeper au début je l'aimais bien mais maintenant c'est mort. Donc ensuite on va venir à quoi? On va venir ouais, au sujet de. Ben ça y est, on est 70 depuis ce matin, on est 71 même. Oh, vous avez vu, je suis un noob, je joue Cap 40. J'en ai tellement marre de le prendre en fait que je joue avec ça maintenant. Et oui, c'est vrai. Je l'avoue, je joue avec ça. Et au passage, là, à partir de là, regardez un petit peu parce que quand je vais aller dans la maison. Dans la maison bleue là, je vais faire un petit carnage, je vais leur faire pas mal. Je vais leur faire mal, je veux dire. Et là, déjà, lui, il a pris quelque chose qui fait mal. Lui aussi. Et là, le petit cap 40 et boum, allez hop, triple. Donc voilà. Donc pour en revenir un petit peu à mon commentaire, voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de du DLC. Moi personnellement, je trouve voilà, je trouve bien pour certaines maps et le zombie aussi. Mais après, le reste, c'est mort. Moi, je kiffe pas du tout. À part les deux maps et le zombie qui est pas trop mal, le mode infection là ou je sais pas comment ça s'appelle, ça c'est horrible, c'est vraiment nul. Alors là, moi personnellement, je compte pas y jouer beaucoup à ça parce que c'est vraiment horrible. Donc, après, là j'ai un petit trou, désolé. J'ai fait, là vous avez vu, j'ai pas de balles du tout et là regardez, je vais faire un petit kill et boum, sans pitié. En ligue c'est pas mal, c'est pour ça que je me suis permis de vous la poster. Et en plus on a bien regardé nos placements et tout, nos placements, il n'y a aucune erreur à part là qu'on s'est fait casser les spawns. Mais vous allez voir, il y a quelqu'un qui va retourner les chercher immédiatement. Il y va d'ailleurs, il est au fond, c'est Tom normalement qui s'occupait des spawns. Et là moi j'avais plus de balles. Donc il m'a fallu ramasser une arme et là j'ai fait une petite connerie en fait. J'aurais dû rester là où j'allais me caler et je suis passé là et il m'a vu, il m'a tué. Donc voilà. Ouais, je pense essayer de tourner une vidéo en groupe avec la LOB ce week-end peut-être si je peux, si y a moyen qu'on arrive à se retrouver tous ensemble ou pas, je sais pas. Je vais voir ça avec avec Ayuz, une relax, tout ça, c'est surtout après Vinix aussi que ça c'est chaud pour l'avoir sur parce que c'est le seul qui habite un petit peu loin, après tous, là je vais repiter la voiture volontairement. C'est le seul qu'on a du mal à avoir. Enfin voilà quoi.
qu'on a du mal parce qu'après ils relaxent et à Wiz c'est pas un souci pour les avoir, ils habitent pas loin de chez moi, on peut toujours se débrouiller pour se voir, mais Vinix habite assez loin quand même, donc pour le voir c'est assez dur. Donc au pire on fera ça via Skype et on verra ce que ça donnera. Donc là en fait je sais pas si vous avez vu mais les ennemis ils étaient un petit peu en train de se décourager, il y en avait un qui avait sorti le snipe et tout. Parce qu'ils arrivaient vraiment à rien rentrer d'ailleurs, à chaque fois qu'on les tuait et tout, ils disaient ouais putain ils parlent trop bien machin et tout. Mais en tout cas GG à eux parce qu'ils ont tenu, ils ont pas racheté ça à ligue. À mon avis vous qui jouez vous devez le savoir que la ligue c'est chiant, ça fait que racheté, ça fait que racheté. D'ailleurs vous voyez il y a 180 à 18 et je pense qu'ils vont pas remettre beaucoup beaucoup de points après ça. Donc dans les commentaires vous m'avez, j'ai vu vous m'avez demandé la R&D par rapport à ce que j'ai dit l'autre jour dans mon commentaire. Vous m'avez parlé de la R&D, il n'y a pas de souci, la R&D j'en ai une je crois, un stock ou deux, je sais plus. Il suffit juste que je fasse le montage et je vous les balancerai après. Parce que là j'ai pas mal de choses à faire, j'ai des papiers à remplir, tout ça. J'avais pas trop le temps de faire un montage super super allez comment dire. Un montage super gros, donc voilà, parce qu'en fait la R&D j'ai plusieurs parties on va dire, mais avec que des que certaines manches de bien et tout, donc du coup ce que je pense faire là vous pouvez voir que je garde les spawns par rapport au prochain point, voilà. Et ce que je pense faire voilà c'est de mettre de faire comment dire un enfin, non, je sais pas si on peut dire un condensé, mais genre prendre plusieurs plusieurs matchs ou plusieurs moments de R&D, faire une compilation, en fait, voilà une compilation, c'est ce que je voulais dire. Donc, ouais, je pense que je ferai ça, une petite compilation là de tout, de, les vid- de toutes les vidéos ouais, que j'ai que j'ai faites. Donc, là, on va arriver, on va pas tarder à arriver à la fin de la vidéo. Voilà la killcam est de moi. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas trop bien commenté, je suis désolé, mais je suis vraiment fatigué en ce moment tout. Donc je suis désolé. Mais on va se laisser sur ça. Je finis sur un 24 ou 27, je sais plus, 24 à 7, voilà. À Ligue c'est pas mal. Et en plus une médaille sans pitié juste pour vous. Et je vous dis ciao les gars. Et à très bientôt.